Bonjour à tous, donc là on va faire une purée de pommes de terre. Donc il vous faut 1 kg de pommes de terre lavées, épluchées. Donc vous les coupez en 4. De préférence, prendre des pommes de terre spéciales pour purée. Donc on les met dans le bol. 225 ml d'eau. Donc vous pouvez mettre une demi-cuillère de romarin moulu. Nous on va mettre une gousse d'ail. Oui, une petite cuillère à café de sel. Donc on règle sur 30 minutes. 100 degrés et on met niveau 1. Donc on rajoute 100 ml de crème liquide. On rajoute une petite pincée de muscade. Donc là, on se met vitesse 4 et on met 20 secondes. Donc là, on voit, a priori, il n'y a pas de morceaux. Alors, la purée, elle est bonne. Donc là, on n'avait pas utilisé des patates vraiment spéciales pour la purée. Donc en tout cas, il y a vraiment de très 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 légers morceaux, mais c'est vraiment extrêmement léger quand même. Donc là, peut-être par rapport à ces patates, il aurait fallu faire mixer 20 secondes de plus. Mais c'est vraiment très très léger. Par contre, contrairement à la soupe, là, la purée était vraiment très très chaude. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.